Salut, c'est Enzi. Retrouvez-moi en interview sur African Move. Enzi, quelle est ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est la vie, c'est la joie de vivre, en fait, malgré les difficultés de la vie. Voilà, rester positif, en gros, c'est ça, quoi. Derrière un son qui bouge, y a des paroles, voilà, des paroles de la vie, tu vois. Malgré, même si ça va pas, au lieu de se plaindre, voilà, faut essayer de rester positif, se battre. Bonjour à tous, j'avais une question pour l'artiste NC. Je voulais savoir, en fait, tu as fait des sons dans pas mal de styles. Tu as fait du R&B hardcore, du souk. Tu as chanté sur tes rythmes afro. Et je voulais savoir, en fait, dans quel style tu te sentais le mieux. Et en fait, à l'avenir, qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu comptes faire un autre style musical ou un de ces styles musicaux, en fait. C'est mon attaché de presse. Bien. Pour l'instant, en fait, je fais le style que je ressens, en fait. Du moment là, ce que je ressens, c'est la vibe que je ressens, c'est ce côté afro, mes racines. Donc, à l'avenir, je sais pas, peut-être que je reviendrai à ça, tu vois, ou R&B. Donc pour l'instant, c'est le côté afro, que le côté roots, on va dire. Voilà. Après, bien sûr que je reviendrai au R&B, à la soul, parce que c'est ma base. Voilà. Ma petite sœur. Salut Enzi, c'est Marguerite. Ça va ou quoi? Alors, moi j'ai une question. Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans? Voilà. Est-ce que tu dois toujours faire de la musique? Ou est-ce que tu te verrais dans une carrière, genre cinéma, télévision, radio, voilà. Est-ce que tu dois faire autre chose que du R&B? Voilà. Bisous. À plus. C'est ma petite sœur. Alors, dans 5 ans, j'aime pas trop me projeter comme ça, mais dans 5 ans, je pense que je continuerai, tu vois, je continuerai toujours la musique. Peut-être que je ferai du gospel, tu vois, quelque chose comme ça, plus spirituel, on va dire, voilà. Je pense que je me tournerai vers le gospel. Bon, après 5 ans, ça passe tellement vite. Je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver, tu vois. Bon, mais on va dire oui, pourquoi pas. Pourquoi pas chanter pour Dieu, tu vois. Voilà. Quel est ton plus beau souvenir dans la musique ?